Est-ce que la sono? Oui, merci. C'est bon. Mesdames, messieurs, chers collègues, merci de bien vouloir prendre place. Nous allons démarrer dans quelques instants. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal. Je vais chausser ma paire de lunettes. Désigner comme secrétaire de séance ma voisine de droite, madame Charpentier, à qui je passe sans attendre le micro pour l'appel. Merci, bonsoir à tous. Richard Delpierre. Présent. Violaine Charpentier, présente. Benoît Ribert donne pouvoir à monsieur Delpierre. Véronique Siadoux. Présente. Christophe Consdorn donne pouvoir à madame Siadoux. Martine Bélier. Présente. Jean-Louis Jarige. Présente. Aline Temenides. Présente. Philippe Collins. Présente. Marie-Laure Majou donne pouvoir à monsieur Prado. Anne Testu. Présente. Jérôme Legrel. Présente. Gilles Bertin. Présente. Claude Joriot. Présente. Marie-Thérèse Kelly donne pouvoir à madame Temenides. Louis-Marie Soleil. Présente. Dominique Forget. Présente. Marie-Claude Chevrier. Présente. Janine Bataille. Présente. Patrick Berthomé. Présente. Jean-Michel Vengère, présent. Tanguy Odic de Kernen, présent. Géraldine Arenschneider, présent. Valérie Jenkin donne pouvoir à Madame Ribert, Agathe Méry donne pouvoir à Madame Bélier, Joséphine Parmentier, présent. Martial Prado, présent. Camille Ribert, présent. Jean-Christophe Voiseux, présent. Marc Sivly, présent. Lucie L'Oncle Duda donne pouvoir à Madame Parmentier, Marie-Cécile Godot donne pouvoir à Madame Testu, Frédéric Rospini-Clérissi, Jean-François Pommery, Maurice Toledano, présent. Nicole Alquier, présent. Karine Lemene, Fabrice Tabary, Brigitte Fauvel, Guillaume de Châtelut. Il l'a donné ou pas? C'est bon. Ah oui, il y a une petite croix. Mais enfin, il n'y a pas le nom, c'est pour ça, non, Madame non, Alquier. D'accord. Christelle Fayu, Dorothée Bilger présent. Et Caroline Ockringer. Et voilà. De retour et bienvenue. Merci, Madame Charpentier. Le quorum est donc largement atteint. Je vais récupérer. Merci. La feuille. Attends, je récupère tout ça. Nous allons maintenant procéder à l'approbation des procès-verbaux. Il y en a deux. Celui du 4 octobre 2023, appelle-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions, il est approuvé. Celui du 19 octobre, appelle-t-il des remarques? Non plus. Vote contre, abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons démarrer cette séance par un point d'information, normalement le dernier, sur l'avenue Charles de Gaulle, comme je m'y étais engagé à l'issue d'une phase de concertation dont je pense qu'elle a quand même été utile. Je vais demander donc à Frédéric Rospini de faire de manière efficace, pédagogique et synthétique un point de synthèse sur la proposition d'aménagement que nous nous apprêtons à faire sur cette avenue à l'issue donc d'une phase de concertation qui a démarré début juillet. Frédéric, je te passe sans attendre la parole. Est-ce que tu as un micro à portée de main? Attends, un micro parce que à distance les gens ne vont pas t'entendre. Voilà, c'est bon. Impeccable. Merci, merci, monsieur le maire, chers collègues. Je dois vous présenter en quelques minutes la solution qui a été décrite en commission transition écologique la semaine dernière. Cette solution résulte de deux démarches, une démarche d'ordre technique avec effectivement des études de circulation, de trafic associées à des comptages. Un test grandeur nature que vous avez pu vivre en direct et donc vous faire votre opinion. Une campagne de mesures acoustiques permettant d'appréhender la notion de bruit avec les flux de voitures et les vitesses considérées. Et des constats d'huissier sur les remontées de fil, car effectivement ce sont des éléments importants.
Et enfin, des remarques positives ou négatives des concitoyennes ou des concitoyens. C'est toujours intéressant d'avoir un retour pour connaître un peu les points de vigilance à retenir, les bien cadrer les objectifs du nouvel aménagement. Et puis, surtout, une chose importante, c'est bien connaître les usages de cette voie. Les données structurelles, bien sûr, on les connaît, mais les usages, c'est important. J'en citerai deux, trois comme ça. La dépose du collège, la dépose de la crèche. Bien sûr, un élément essentiel, c'est la desserte du centre-ville par la voie sud. Les insertions dans les ronds-points, qui sont des choses qu'on a pu constater lors du test grandeur nature. Une démarche participative avec une présentation en réunion publique pour le SDMU, du travail des conseils de quartier, une présentation au conseil syndical principal, et puis des échanges avec les citoyens également, et une remontée des remarques et informations des services techniques de la ville. À l'issue de ces deux démarches, trois principes ont été proposés pour l'aménagement de la voie Charles de Gaulle. Le premier principe, je vous le rappelle, il était basé sur un aménagement avec une séquence ou un profil trottoir, piste cyclable, stationnement et une voie large de 4,50 m, sans toucher au terre-plein central. Le deuxième principe était un principe de trottoir, stationnement, une voie, un itinéraire cyclable et deux voies avec démolition du terre-plein central. Il y a une petite variante à ce principe 2 qui est un test en direct, c'est l'avenue Potier Sud. Effectivement, on peut très bien faire ce schéma, c'est-à-dire se limiter à une voie large et ne pas attaquer le terre-plein central. J'appellerai ça le principe 2 bis. Et puis, la troisième principe qui a été appliqué et travaillé sur des plans, c'est la voie vélo-bus. Ces principes ont été donnés au conseil du quartier. Je remercie vivement les gens des conseils du quartier qui se sont investis dans l'analyse de ces plans, qui ont fait remonter des remarques, hein, toujours positives ou négatives. Et ça nous a permis de bien appréhender les usages de cette voie et de manière à coller au mieux aux attentes de nos concitoyens pour les différents points qu'ils souhaitent utiliser pour cette voie. Bien sûr, cette voie, elle est ancienne, elle a des faiblesses. C'est la sécurité, notamment au niveau des passages piétons. C'est des zones d'excès de vitesse qui donnent des endroits un peu dangereux, notamment pour les piétons, etc. etc. Et donc, l'idée, c'est de trouver une solution qui va essayer de faire la synthèse entre ces données structurelles, ces usages et la modernisation qu'on attend de cette voie, tant au niveau de la sécurité que d'autres aspects, trafic, fluidité. On a 630 mètres de long en trois tronçons, de l'ouest vers l'est. Et je commencerai par l'ouest, c'est-à-dire que les trois plans qui vont vous être projetés aux écrans. On va démarrer par la place du 18 juin. Ce qu'il faut retenir en synthèse sur ces trois tronçons, la philosophie de l'aménagement, c'est la partie ouest, c'est-à-dire au nord du collège. Il a été choisi de laisser deux fois deux voies, car effectivement, côté collège, il y a la dépose du matin et on comprend les gens qui vont au travail, ils ont besoin de déposer leurs collégiens. Et donc, c'est un vrai service qui leur est apporté. Et compte tenu de la distance faible, 140 mètres, c'est pas judicieux de faire une réduction de voie. Par contre, on va améliorer l'insertion de la place du 18 juin sur cette voie sud, en remontant et en autorisant, comme vous pouvez le voir, l'arrivée de la bidirectionnelle Schweitzer du Tarn, qui va permettre aux collégiens de venir, et aux autres personnes en vélo, bien sûr, de venir du Tarn et Schweitzer et venir se raccorder à une zone de rencontre qui va être signalée devant le collège, de manière à pouvoir accéder jusqu'au carrefour Foucault.
au Nord, et compte tenu de l'importance du nombre de scolaires, du nombre de pères et de mères qui amènent leurs enfants à la crèche et qui éventuellement, pour certains, voudraient venir en vélo ou viennent déjà en vélo, on a choisi, car la possibilité nous en est offerte, de faire une piste cyclable sécurisée, distincte des deux voies que l'on gardera, car quand on a fait le test Grandir Nature, on s'est aperçu, peut-être vous-même aussi, que le fait de réduire à une voie l'entrée sur l'insertion du 18 juin créait une remontée de fil trop importante. Et donc, il nous apparaissait important de conserver une fluidité au trafic tout en assurant le passage d'un itinéraire cyclable et en plus sécurisé dans cette zone fortement empruntée par les scolaires. Le carrefour Foucault est un carrefour particulièrement important. On a choisi d'y faire un passage surélevé pour bien marquer aux automobilistes que c'est un point de sécurité fondamental. Bien sûr, on conserve le tourne à gauche côté Foucault et on s'en va sur le deuxième secteur qui est donc, si on peut passer au slide suivant, le tronçon 2. Alors en fait, le tronçon 2, il est un peu commun au tronçon 3. Il est conditionné par le carrefour Potier que tout le monde connaît, qui est un carrefour où on passe à une voiture et c'est pas possible de passer à deux, assez contraint. Et donc finalement, on s'est aperçu, si l'on veut réduire les vitesses excessives, c'est-à-dire que les personnes qui prennent la voie de gauche en voulant doubler tout le monde à des vitesses de 80-90 km/h, arrivant sur des secteurs où de toute façon on ne peut passer qu'à une voiture, c'est mettre en danger, notamment au niveau des passages piétons. On a eu d'ailleurs après le test, début 2023, un accident, un traumatisme crânien. Et finalement, pour gagner deux secondes, finalement, pour se retrouver coincé au niveau du rond-point Potier, parce que de toute façon, les voitures, il faut attendre qu'elles passent le rond-point. Et donc, il nous apparaît intéressant, sur ces deux tronçons, de procéder à l'aménagement d'une voie style Potier Sud, c'est-à-dire une voie de 3,50 m, avec une bande cyclable, avec un déport de 70 cm côté voie roulante et côté stationnement 80 pour les aspects portières. L'avantage de ce système, c'est de pouvoir éviter les vitesses excessives. C'est néanmoins de garder une fluidité du trafic. Vous pouvez le constater aujourd'hui sur Potier Sud Redingote. Et de pouvoir, comme ça, sécuriser l'aspect piéton de la voie tout en autorisant un itinéraire cyclable qui sera évidemment en proximité de la voie routière, mais que l'on va essayer de distinguer au niveau de l'intersection de manière à sécuriser tout ce qui est les conflits vélo et voiture, de manière à éviter de trop prendre de risques quant aux difficultés d'accident. Donc vous voyez ici le rond-point. On va essayer de le descendre de quelques mètres de manière à offrir, compte tenu de l'emprise qui nous est autorisée, le passage au nord avec une interconnexion rue Hirsch qui nous permettra de raccorder la zone de rencontre et la piste cyclable qui s'en va sur Mauxeries, donc la desserte nord de la commune. Et côté Potier Sud, vous voyez très bien le tracé qui suivra les passages piétons et qui viendra se raccorder avant l'arrêt de bus et poursuivre jusqu'au rond-point de l'Europe. On peut poursuivre la dernière. Enfin, pour terminer, c'était le plus bref possible, ce qui n'est pas chose évidente. Donc, vous voyez ici le dessin. Côté voie nord, eh bien, après l'insertion des bus, la bande cyclable pourra être créée et on arrivera à une voiture sur le carrefour Potier. Côté sud, on a bien vu dans les tests qu'il était important de garder pour les remontées de fil et le départ de nos concitoyens le matin au travail ou dans le trafic francilien, le passage au feu de l'Europe. Et donc, on veillera à sortir les vélos de la voie et autoriser
ce sas, ce stockage de voitures pour passer le feu Europe le matin, la pointe du matin. C'est des choses importantes et il ne s'agit pas d'aller pénaliser nos concitoyens pour, qui vont au travail ou qui vont dans leurs activités diverses et variées. Sur le rond-point de l'Europe, enfin, pour terminer, on a choisi de faire un marquage. Il y a une condition qui va être l'interconnexion avec la rue de Loucienne, puisqu'on doit faire un aménagement devant le collège et revoir les conditions d'accès des lycéens, pardon, ou collégiens, sur Blanche de Castille. Et donc on a fait cette périmétrie en bande cyclable et on verra à l'usage ce que ça donne, sachant que c'est un carrefour qui est somme toute assez compliqué. Il fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui. Il est parfois dangereux. Il y a eu un accident, je crois, il y a 2-3 jours, une jeune fille. Et on verra à l'usage si on peut améliorer ceci, sachant que la solution définitive n'est pas évidente. Et il faut attendre que nos concitoyens utilisent et on verra à l'usage. Voilà. Le projet lui-même, en estimation, est estimé à hauteur de 600-700 000 euros. On est en phase avant-projet. On l'a fini avec le retour des conseils de quartier. Il est sans doute très certainement faisable en tâche. L'idée, c'est de finir pour l'été 2025. Vous voyez qu'au niveau structure des voies, on n'a pas grand-chose à changer, donc une économie substantielle de coûts. Et si par bonheur, la commune obtient des subventions à hauteur de peut-être 50%, ça va être une opération, somme toute, modérée financièrement pour un gain tant au niveau sécurité, au niveau des mobilités, et offrir ainsi une voie sans toucher notablement à l'aspect paysager du terre-plein central et autres points particulièrement chers à nos habitants. Voilà, j'espère que cette présentation un peu écourtée vous conviendra. Je peux prendre des questions si vous le voulez. Merci, monsieur Rospigny, de vous être acquitté de cet exercice de synthèse de manière claire. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention à ce stade, madame Alquier? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, vous rejoignez avec ce projet maintenant modifié un certain nombre de demandes que nous avions exprimées, notamment de sécuriser fortement tous les ronds-points. Donc nous pensons que cette solution permet d'avoir déjà une amélioration sensible d'accès et de tourner au rond-point, notamment le rond-point Potier Charles de Gaulle, qui est effectivement dangereux. Donc si la solution de descendre un peu le centre du rond-point permet effectivement de réduire la vitesse et d'avoir une rotation plus douce et plus fluide, nous sommes favorables à cela. Nous sommes aussi contents de voir qu'on ne touche pas au terre-plein central, mais dans vos projets, vous ne deviez pas le supprimer, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc vous m'inquiétez. Dans le principe, toucher mais pas supprimer. Vous avez dit supprimer tout à l'heure. Vous m'avez fait peur là. Hein. Donc voilà. Mais donc voilà. Voilà. Donc c'est parce que c'était un objet de débat. Donc voilà. Donc nous et nous sommes aussi satisfaits de voir une voie cyclable matérialisée qui permet effectivement de sécuriser beaucoup mieux les vélos. Donc merci Monsieur le Maire. Merci de ce retour. Madame Le Ménay. Oui, je voulais aussi vous remercier de cette solution parce qu'en fait, après une étude qui quand même m'a coûté assez cher, on nous avait mis devant le fait accompli sur 3 solutions, alors que notre groupe soutenait qu'il pouvait y avoir une 4e solution, mais qu'il m'a semblé que c'était difficile de vous dire de sortir de ces 3 solutions dans lesquelles vous nous aviez enfermés. Donc, je suis ravie aujourd'hui que nos avis aient été pris en compte, notamment que vous ayez accepté de faire cette étude en réduisant les voies, parce que sinon, ça aurait pu être fait très rapidement et aujourd'hui, on aurait été coincé. Et on aurait adopté, vous auriez fait des travaux
qui n'aurait pas du tout satisfait ni la population, ni les collégiens, ni les, ceux qui vont en crèche et l'école. Voilà. Donc, je voulais simplement dire que parfois, et même assez souvent, l'opposition peut avoir quand même des bonnes idées et que je vois que ça a été confirmé, comme vous le disiez tout à l'heure, par les commissions de quartier. Merci, monsieur le maire. Très bien. Madame le maire, je n'ai rien à rajouter. Si vous êtes heureuse, je suis heureux. Madame Bilger. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Bon, d'abord, je tiens à remercier monsieur Rospini qui nous a fait une présentation extrêmement claire et très politique de ce projet. Donc, je tiens à le souligner, surtout qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Alors, notre groupe ne partage pas exactement la même posture, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé d'avis, en fait. Au risque de... Voilà, on va essayer de rester droit dans nos bottes, si je puis me permettre. C'est un point d'information. Nous vous en remercions. Nous actons cette information. Maintenant, nous restons sur notre position, qui est de dire que cet aménagement ne nous semblait toujours pas indispensable. J'ai bien noté dans la présentation de M. Rospini un léger changement dans la présentation. C'est-à-dire qu'au démarrage, on était dans « il faut à tout prix faire une piste cyclable ». Comme vous l'aviez dit, ça faisait partie de votre programme. Je vous avais répondu, vous n'avez pas besoin de poser la question aux habitants. Assumez, monsieur le maire. Bon, aujourd'hui, on voit bien quand même que vous nous parlez beaucoup de sécurité. C'est une bonne chose. Mais je pense qu'on peut faire de la sécurité sans dépenser 700 000 euros. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dire qu'on a appréhendé les usages de la voie. C'est bien de l'avoir fait. Mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire un test pour savoir qu'il y avait deux points durs qui étaient le dépose au collège et le départ le matin autour du rond-point de l'Europe. Donc c'est bien de le souligner, mais je pense qu'en habitant dans cette ville, ça fait très longtemps qu'on le savait. Ça, c'est la deuxième chose. Donc aujourd'hui, vous parlez de moderniser la voie, pourquoi pas ? Donc je note un changement de discours. Par contre, nous restons toujours sur notre posture de dire que vous ne nous avez toujours pas parlé de ce qui se passe avant l'avenue de Gaulle et de ce qui se passe après. Donc, on dépense à minima 700 000 euros. Subventionné, on est tout à fait d'accord, avant subvention. Mais pourquoi ? Si vous nous dites sécuriser, c'est très bien, hein, bien évidemment. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de dépenser tout cet argent. Voilà, donc, merci pour ce point. Dernière chose, vous dites que vous avez entendu dans les conseils de quartier. Vous avez sûrement entendu des choses, mais pas tout, puisqu'il y a eu beaucoup de refus du passage à une voie, ce qui en fait s'avère le cas, à juste ou mauvaise raison. Ça, bien évidemment, c'est à vous de l'appréhender. Mais voilà, je pense, je reviens à ce que j'ai dit, on n'avait pas forcément besoin de passer tant de temps pour que vous appliquiez votre politique, alors qu'il y ait des choses... des bonnes idées des concitoyens sûrement, puisqu'il y a certainement eu des choses intelligentes. Mais voilà, on a dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et sans doute beaucoup d'argent. Mais ce n'est que notre avis. Merci à toutes et à tous. Je ne vais pas refaire tout le film. Du temps, on en a. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Je n'ai aucun regret sur le temps qu'on a passé à échanger, partager. J'ai la faiblesse de penser qu'il y a eu quelques positions qui ont bougé en 3 ans, mais peut-être... Ai-je mal compris les positions initiales de certains et certaines. En tout cas, je constate qu'aujourd'hui, il y a un assez large consensus sur cet aménagement. La commande politique, bien sûr que je l'assume, c'était d'avoir des aménagements cyclables tout au long de cette avenue, parce que je pense que, contrairement à ce qui peut être dit à certains moments, on a le droit de faire du vélo sur l'avenue Charles de Gaulle. Je pense que c'est même bien. Je rappelle qu'aux deux extrémités, il y a des établissements scolaires. Rien que pour ça, ça justifie qu'on fasse des efforts. Sur la question de à quoi sera connecté cet aménagement, sur la partie rue de Versailles, il y a encore effectivement un peu de temps, même si Blanche de Castille est là où il est, donc à un moment, il y a des flux. De l'autre côté, je rappelle que le SDMU embarque un certain nombre d'aménagements. Et donc, quand vous remonterez l'avenue Schweitzer qui va être aménagée, il y aura un continuum. Et donc, à un moment, en faisant le tour du grand pâté de maison, vous aurez un vrai continuum. Donc, en tout cas, sur cette partie-là, l'avenue Charles de Gaulle sera branchée. Et voilà. Et donc, on laissera à nos successeurs le soin de poursuivre les aménagements dans les coins un peu plus compliqués. La rue de Versailles en fait partie, même si rien n'est impossible.
Sur la partie financière, je rappelle que par rapport aux estimations qui vous ont été données sur les scénarios de référence, on est finalement sur la fourchette la plus basse. Donc, pour ceux qui, et dans les conseils du quartier, certains conseils étaient remontés vers nous en disant, bah, finalement, c'est ce choix-là qui nous guide. Et voilà, on l'avait entendu, mais finalement, on arrive à apporter une réponse technique satisfaisante à moindre coût. Et je ne peux que m'en réjouir, indépendamment des subventions qu'on espère pouvoir obtenir sur ce sujet. Mais voilà, je trouve que ça coche pas mal de cases. Et en tout cas, je pense que le temps que nous avons passé à échanger là-dessus a permis aux uns et aux autres de faire évoluer les mentalités. J'ai bien entendu effectivement que certains habitants restaient campés sur leur position, mais je rappelle que là, pour le coup, la commande politique était assez claire. Le statu quo n'était pas en option. Donc, même si des gens sont revenus pendant la séquence estivale pour me dire qu'ils ne voulaient pas changer, le cadre fixé était celui que j'ai indiqué. Et c'est clair que, et j'en terminerai là-dessus, l'aménagement qui a été fait sur Poitiers Sud a permis à un certain nombre de gens de voir en vrai fonctionner un aménagement dans une partie circulée avec des bus, avec des commerces, avec, voilà, et de voir que finalement les comportements changeaient assez vite, que les gens, d'une part, respectaient la signalétique, apaisaient leur vitesse, et que finalement, sur un test un peu grandeur nature, on pouvait se dire que ce principe d'aménagement pouvait aussi fonctionner sur l'avenue Charles de Gaulle, et qu'il avait en plus un caractère réversible, donc si jamais un jour il fallait qu'on change, ça ne serait que de la peinture. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir fait ces retours. Merci infiniment à Frédéric Rospigny et aux équipes des services techniques d'avoir passé beaucoup de temps à essayer de tirer le meilleur des remontées, parfois un peu variées dans leur forme, dans leur expression, pour in fine sortir un plan qui soit accessible au grand public et qui permette aussi de passer en mode travaux dans l'année et demie qui suit. Je vous propose maintenant de repasser à l'ordre du jour régulier. Donc j'espère que Madame Téminides a toute sa voix, car on entame un long parcours. Donc je reviens, pardon, hop là, à la première d'une série de délibérations particulièrement riantes. Celle-ci concerne le budget principal et la fixation du mode de gestion des amortissements et des immobilisations en M57. Madame Téminides, c'est parti. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors je suis désolée, ce sera certainement moins palpitant que ce qu'il y a eu auparavant. Donc, la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2024 implique d'actualiser le mode de gestion des amortissements des immobilisations. Ceci est sans conséquence sur le périmètre des amortissements et vous avez dans la délibération la liste des biens amortissables. Et c'est aussi l'occasion de se réinterroger et d'affiner les durées d'amortissement. Et donc, il est proposé au conseil municipal de fixer donc les règles telles qu'elles sont décrites dans la délibération, à savoir des durées d'amortissement fixées en fonction des natures comptables et des types de biens, l'application de la méthode d'amortissement linéaire au prorata temporis et non pas au 1er janvier de l'année comme c'était fait précédemment, le fait d'amortir les biens d'une valeur inférieure à 1 500 € sur une année directement, et enfin, éventuellement appliquer de l'amortissement par composant s'il y a lieu, à condition que l'enjeu financier soit significatif. Voilà. Enfin, voilà. Voilà ce que je vous propose d'adopter. Merci, Madame Piamides. Y a-t-il des conseillers aventuriers ou aventureux qui voudraient poser des questions sur cette première délibération? Je sens une certaine prudence. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, Madame Piamides, réconfortée par votre vote, va s'attaquer maintenant au budget annexe location d'emplacement de stationnement et nous parler de la fixation du mode de gestion des amortissements et des immobilisations en M4. Voilà. Donc, les conditions actuelles d'amortissement datent d'une délibération de 1995, donc ce n'est pas tout jeune. Je rappelle, si besoin était, que l'instruction M57 ne s'applique pas à ce budget annexe parce qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial. Pour autant, pour simplifier le traitement des écritures liées à ces biens immobilisés et donc pour faciliter aussi la vie aux services finances surtout, on propose de fixer en quelque part les mêmes règles que ce qui a été fait dans le budget principal. Donc, je ne vais pas répéter les règles en question. Merci. Des souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5 concerne toujours le budget annexe location d'emplacement de stationnement avec une décision modificative numéro 1.
Ici, donc, nous sommes dans le budget de l'année 2023. Comme vous, je vous le répète à longueur de délibération, à l'occasion de la M57, on retravaille le service finance, retravaille l'actif. En rebalayant donc, les fiches, on s'est aperçu que la dotation aux amortissements de l'exercice 2023 n'était pas suffisante, n'avait pas été budgétée à un niveau suffisant. Il nous manque de l'ordre de 15 000 euros. Je rappelle que ce n'est pas, pas du cash, hein, c'est une écriture comptable. Donc il faut enregistrer des dépenses côté des dotations aux amortissements, équilibrer la section de fonctionnement en rajoutant des recettes, bien sûr. Et ceci aura un impact sur la section d'investissement puisque l'amortissement constitue une recette de la section d'investissement. Il y a un petit tableau dans la délibération si vous voulez plus de détails, mais je pense que... voilà. Que Madame Bataille, des souhaits de précision. Y a-t-il des questions ? Des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous revenons au budget principal avec une délibération concernant l'apurement de l'actif, Madame Tamines. Alors, nous continuons à nettoyer l'actif. Donc là, on arrive sur des... l'actif est fait de... Je vais me tromper de délibération. C'est la 6. C'est le budget principal et on est sur la délib numéro 6. Donc là, il s'agit de nettoyer l'actif et donc d'enlever, c'est de la saine gestion, on va dire, ça peut être fait régulièrement. Donc l'apurement de l'actif, c'est on enlève les biens qui sont obsolètes et en particulier dont la valeur nette comptable est nulle. Donc on n'a plus besoin de, j'allais dire, traîner les fiches immobilisation. Le travail de nettoyage qui a été fait, toujours par le service finance, est détaillé. Alors les critères ont été détaillés dans la délibération et ça représente quand même 3826 fiches d'inventaire. Donc vous imaginez combien il en reste derrière. Pour une valeur brute de 6 322 000 et des poussières, donc 2% de l'actif, et une valeur nette comptable de 487 000 euros. Merci. Des questions, des votes contre, abstention à l'unanimité. On reste sur l'apurement de l'actif, mais cette fois-ci concernant le budget annexe location d'emplacement de stationnement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le budget, dans le location annexe de stationnement ? Il y a essentiellement des constructions liées au parking et des travaux d'aménagement qui ont été réalisés. Les constructions s'amortissent sur 50 ans, les aménagements sur 15 ans, et donc peu de biens sont amortis à 100%, ce qui fait que ce travail de nettoyage, eh bien, il y a eu 5 biens de faible valeur, donc inférieurs à 1 500 euros, qui ont été retirés, que je vous propose de retirer de l'actif, et qui, pour une valeur de 6 978,09 €, très précisément. Et vous voyez qu'en en moyenne, ça fait des biens effectivement inférieurs à 1 500 euros. Merci. Pas de questions, pas de vote contre, abstention à l'unanimité. Nous arrivons presque à la fin du marathon avec une délibération concernant le budget principal et des précisions relatives aux durées d'amortissement applicables en M14. Donc je redis que le SPIC de location de stationnement... Non, pardon, je suis dans le budget principal. Donc au 1er janvier 2024, ce sera la M57. En attendant, on est toujours en M14. Pour autant, à la demande du comptable public, pour faciliter et fiabiliser le traitement des écritures d'immobilisation des biens acquis avant le 1er janvier 2024, il proposait de préciser les règles de la délibération du 28 novembre 2019 qui sont donc complétées, un peu comme on a fait pour la M57. Merci. Des questions, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame Thémenides, de vous être brillamment acquittée de cette première séquence. Merci au service finance d'avoir préparé ces délibérations arides, mais néanmoins nécessaires. Pour vous permettre de souffler, nous allons passer la parole à Madame Testu pour une délibération concernant, une délibération technique elle aussi, la mise en œuvre de la réforme de la gestion en flux des contingents de logements sociaux et de l'adoption d'une convention entre la commune et les bailleurs sociaux. Je vous demande d'être attentif parce que c'est pareil, c'est assez technique. Anne, merci. C'est parti. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, les 2052 logements sociaux de la ville sont gérés en stock. C'est-à-dire que grâce aux garanties d'emprunt que nous avons accordées aux bailleurs, nous sommes réservataires de 284 logements précisément identifiés par des conventions avec les bailleurs, pour lesquels nous pouvons proposer 3 candidats aux bailleurs à chaque fois qu'ils se libèrent. La loi Elan de 2018 nous impose de passer à la gestion en flux. Dans la gestion en flux, la commune ne sera plus réservataire de ses 284 logements, mais se verra proposer un flux annuel de logements à attribuer sur le patrimoine des bailleurs, soit les 2052 logements.
Ce flux sera déterminé dans des conventions conclues entre la commune et chaque bailleur du territoire. Aujourd'hui, nous en avons 13, il y en aura même bientôt 14. Et elles seront avenantées tous les ans pour prendre en compte l'évolution du nombre de logements sociaux sur la commune, suite notamment à des constructions de nouveaux programmes. Le flux s'exprimera en droits uniques qui sont calculés en fonction des droits de réservation actuels, de la durée de vie restante des conventions actuelles et d'un taux de rotation des vacances de logement sur les 5 dernières années. Selon les cas, les bailleurs retiennent soit celui du département, soit celui de VGP, mais ils sont pas très éloignés l'un de l'autre. La loi DS de 2022 fixe l'obligation de conversion des conventions de stock en flux au plus tard le 24 novembre 2023. C'est-à-dire que c'est pour bientôt. Et aujourd'hui, seul le bailleur Les Résidences Yvelines-Essonne nous a présenté un avant-projet de convention, ce qui n'est pas très étonnant puisque des points de négociation sont encore en cours de négociation entre l'État et la ORIF, l'Association professionnelle des organismes HLM. Par conséquent, la DDT, qui est consciente des difficultés pour les bailleurs à élaborer ces conventions, a proposé une convention type à partir de laquelle les bailleurs sont invités à établir des conventions spécifiques avec chaque réservataire. Et il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention type jointe à la délibération et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les conventions spécifiques négociées sur la base de cette convention type avec chacun des bailleurs sociaux présents sur le territoire communal, ainsi que leurs éventuels avenants, sauf ceux ayant une incidence financière. Merci, Madame Testu. Y a-t-il des questions sur cette délibération technique ou est-ce que l'explication vous a paru suffisamment claire pour que nous puissions passer au vote ? Je ne vois pas de main s'agiter. Vous avez dû être limpide, Madame Testu. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci beaucoup. Et merci là aussi aux équipes du CCS d'avoir préparé cette délibération. Madame Thémenides, maintenant que vous avez repris votre souffle et vos esprits, vous allez pouvoir nous parler d'une garantie d'emprunt accordée à Polylogis pour l'opération d'acquisition et de réhabilitation du 3 rue Edmond Rostand. Donc fin décembre 2019, la commune a vendu à la SA d'HLM Logirep un ensemble immobilier situé 3 rue Edmond Rostand, qui était composé des anciens locaux de l'école Mozart et des 10 logements attenants, en vue de réaliser deux programmes connexes de logement. Donc il y a une résidence accueil de 18 logements et dans le programme, il y avait avec la création des 18 logements et l'amélioration des 10 logements existants. Dans ce cadre-là, il y avait 6 emprunts qui avaient été contractés par le bailleur social et qui ont été garantis par la commune pour un montant total de 4 730 000 euros et quelques, et après autorisation du conseil municipal du 6 février 2020. En contrepartie, la commune bénéficie de la réservation de droits d'attribution de 6 logements. En fait, les conditions ont évolué, à la fois côté coût des travaux et côté emprunt pour le bailleur, et le bailleur est revenu vers la commune en octobre 2023 pour qu'on réitère la garantie au titre des prêts pour un montant de 3 754 000. Donc on a déjà eu des délibérations comme ça, et la contrepartie donc de la garantie, c'est toujours de bénéficier de 6 droits d'attribution. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération effectivement assez classique ? Je ne vous reviens pas sur le projet, vous le visualisez et vous le géolocalisez. Pas de souhait d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Thémenides, vous gardez le micro pour une délibération concernant la reconduction du dispositif d'aide dérogatoire relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. Une délibération un peu récurrente, mais qu'il nous faut repasser. Allez-y. Oui, donc les contrats financiers structurés à risque, c'est les emprunts, ce qu'on appelait les emprunts toxiques à une période. Donc en 2015, la commune historique du Chesnay avait déposé auprès de l'État une demande d'aide au titre d'un fonds de soutien qui avait été créé par la loi de finances 2014, justement pour venir en aide aux collectivités qui avaient souscrit ces contrats de prêt. Prêts structurés à risque. La commune a 2 prêts qui rentrent dans ce périmètre. On a un contrat qui est conclu avec la Caisse d'épargne quand même pour 1 500 000, dont l'échéance est en 2029 et dont la formule repose sur la parité dollar-franc-suisse, ce qui est assez original.
et un deuxième contrat qui était souscrit donc avec Dexia pour 3 millions d'euros. Et là, je vous épargne la formule parce que c'était assez compliqué. Et l'échéance est aussi en janvier 2030. Le dispositif de soutien fonctionne par période triennale. C'est pour ça qu'il y a plusieurs... Enfin, les délibérations reviennent. Donc, sur demande express de la commune, dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période triennale en question. Donc, cette délibération était passée en octobre 2017 pour les périodes 2018-2021. Le 18 novembre 2020 aussi pour la période 2021 à 2023. Et donc... on vous propose de faire appel à nouveau à ce dispositif, puisque dans les conditions de marché actuelles, il nous paraît opportun de solliciter la reconduction de ce dispositif dérogatoire qui fonctionnera jusqu'à l'extinction du fonds au 31 décembre 2028, en espérant ne pas avoir besoin d'y souscrire. Plus on s'approche du terme, plus le risque est limité. Merci, Madame Témidès. Y a-t-il des souhaits d'intervention pour cette délibération ? Alors, classique pour les vieux, voire très vieux conseillers municipaux, mais il y a des petits nouveaux, et donc pardon pour les petits nouveaux, mais oui, il y a eu des emprunts toxiques à une époque, et c'est pas les maires qui étaient toxiques, mais les emprunts, et toutes les collectivités ont été touchées, certaines plus violemment que d'autres, donc on est sur un dispositif d'assurance dont on espère ne pas avoir besoin, mais effectivement, tous les 3 ans, comme la comète, ça repasse. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 12, elle concerne l'attribution d'une proposition d'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'organisation non gouvernementale ACTED et au groupement d'intérêt public Yvelines Coopération Internationale et Développement suite au séisme survenu le 8 septembre dernier au Maroc. C'est une délibération que j'avais décalée pour pouvoir approfondir la proposition d'aide que le département pouvait mettre en place. Le montant global était inchangé par rapport aux délibérations de même type que nous avons pris depuis le début de cette mandature pour aider des pays touchés par des catastrophes naturelles. Donc c'est un montant de 10 000 euros que je vais vous proposer et je vous propose de le répartir à 50-50 entre une subvention exceptionnelle de manière assez classique à ACTED que nous avions déjà subventionné pour le séisme en Turquie et pour le port de Beyrouth, et puis de mettre 5 000 euros sur le dispositif que le conseil départemental a initié au travers de la structure Yvelines Coopération Internationale et Développement et qu'il a déjà abondé d'un montant de 150 000 euros pour permettre la reconstruction fléchée de villages isolés. Voilà, une manière de ne pas juste envoyer une subvention un peu dans la nature. C'est toujours un peu frustrant quand on verse de l'aide de ne pas avoir de retour parce qu'on sait qu'on n'a quasiment jamais de retour quand on verse des aides d'urgence. Là, on pourra se dire, je l'espère qu'on aura un jour un retour, qu'une petite partie de l'aide que nous avons mise se sera concrétisée sur quelques villages durement touchés par ce séisme. Voilà, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération ? En espérant qu'on n'aura pas d'autres délibres de ce type à prendre, mais malheureusement, la nature est un peu agitée en ce moment, et je ne parle que de la nature. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup, et voilà. J'espère que cet argent sera utilement utilisé. Madame Témidès, vous avez une voiture à nous vendre. Une très belle Citroën. Cession de véhicule. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie de l'acheter. Ah bon ? Donc en 2021, en octobre 2021, donc il n'y a pas très longtemps, la commune a fait l'acquisition d'une Citroën C3, une jolie voiture. Or, en juillet 2023, ce véhicule a été pris dans un... Non, pas en panne. Il a été pris dans un incendie qui s'est propagé depuis un autre véhicule qui était garé à côté. Forcément, elle a brûlé, il n'en reste pas grand-chose. Au moins, on comprend là ce que je dis. Et donc, on a fait appel à l'assurance, bien sûr, qui a dépêché un expert. Et l'expertise faite par l'assurance, l'expert a conclu que la voiture était techniquement et économiquement irréparable. Donc, ne l'achetez pas, mais qu'il a fixé la valeur de remplacement à 9 750 euros hors taxes. Notre actif est très bien géré puisque dans nos actifs, justement dans nos biens, elle vaut 9 751,50 €. Donc nous vous proposons, selon la procédure en vigueur, d'autoriser la cession de ce véhicule à l'assurance pour le montant de 9 750 €. Merci beaucoup, Madame Témidès. Y a-t-il des offres supérieures ? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci de nous permettre de bénéficier de l'assurance sur ce sinistre. Une fois n'est pas coutume, en l'absence de mon excellent adjoint aux ressources humaines, c'est moi qui vais vous présenter la traditionnelle délibération sur les modifications du tableau et des emplois des effectifs.
Donc on est de manière, je remercie les rédacteurs de cette délibération, vous connaissez maintenant la mécanique, en général on crée, on supprime un perchoir, mais ça ne crée pas d'emploi, donc création, suppression, balance quasi nulle, sauf pour une écriture, donc je vais vous la préciser. Donc pour le maître-nageur, c'est classique. Pour l'emploi d'infirmiers en soins généraux à la crèche des Petits Rocs, c'est classique aussi. Pour les deux emplois d'adjoint technique en crèche, c'est classique. Pour l'emploi d'adjoint technique principal de première classe, exerçant des fonctions d'ATSEM, c'est classique. Mais pour la création d'un emploi sous forme de contrat dur indéterminé au grade d'adjoint technique pour un agent de restauration scolaire, c'est un peu original. Il s'agit en fait de nous permettre de titulariser un agent qui remplace depuis maintenant 6 ans un collègue qui est en longue maladie. Et le seul moyen de le CDIser, c'est de créer un poste en CDI. Donc en fait, on ne crée pas d'emploi supplémentaire. La personne est en CDD, mais si on ne fait rien, elle restera éternellement en CDD. Donc je ne suis pas moins grand fan de la précarité de longue durée. Donc le seul moyen que nous avons de permettre, au bout des 6 ans, de CDIser cette personne, c'est de créer artificiellement un emploi supplémentaire. Bien évidemment, si jamais la collègue revient de sa longue maladie, on en sera ravis, mais on est prudent. Et donc, c'est simplement de permettre de transformer un long CDD en CDI. Et c'est le seul moyen que nous avons de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Deuxième délibération relative aux ressources humaines, c'est la détermination des emplois ouvrant droit au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ou IHTS. Cette délibération est exclusivement technique. Sa rédaction, qui datait de décembre 2006, s'est s'appuyait sur une liste de grades, et pour des raisons que je ne m'appartiens pas de juger, il faut qu'elle s'appuie sur une liste d'emplois. Donc on redécrit emploi par emploi tous les emplois qui permettent de donner droit à l'ouverture de ces indemnités. Le dégât collatéral, c'est qu'il faudra qu'on repasse régulièrement, dès qu'on modifiera des emplois, des avenants à cette délibération. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur les IHTS? Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Théminides, décidément, une part de marché spectaculaire. Voilà de retour pour une délibération concernant les redevances d'occupation des salles municipales non sportives et non ouvertes à la location du public. Merci. Elles sont de plus en plus intéressantes, vous allez voir. On va parler de la vie associative. Donc effectivement, la commune soutient la vie associative locale principalement par deux types d'aides. Donc il y a la mise à disposition gratuite d'installations municipales à l'association pour exercer son activité, donc les subventions en nature, et l'attribution éventuelle d'une subvention de fonctionnement pour assurer l'équilibre budgétaire de l'association, donc les subventions pécuniaires. Si le montant des subventions pécuniaires attribuées chaque année est bien connu, nous en parlons à chaque budget, donc annuellement, et pour mémoire, en 2023, le montant total des subventions pécuniaires était de 1 101 037 euros. Donc si ce montant des subventions pécuniaires est connu, le montant des subventions en nature ne peut pour le moment pas être déterminé parce que certaines installations municipales occupées par des associations ne disposent pas de tarifs. Or, la réglementation impose aussi bien aux collectivités qu'aux associations de calculer et d'afficher le montant de ces subventions en nature. Côté collectivité, c'est l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, oui je dis bien 2000, qui est relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. Elle fixe une obligation aux collectivités qui attribuent des subventions excédant 23 000 euros par an de formaliser ce soutien par une convention d'objectifs. Côté association, l'article 211 du règlement 2018-06 du 5 décembre 2018, donc c'est plus récent, donc qui est relatif au compte annuel des personnes morales de droit privé à but non lucratif, fixe une obligation pour les associations de comptabiliser dans leur compte annuel les contributions volontaires en nature perçues, dont la mise à disposition des locaux à titre gracieux par la commune fait partie. Donc fort de ces deux contraintes, on va dire, de ces deux lois, l'objectif en particulier de respecter cette réglementation, c'est que ça permet aussi de répondre aux objectifs d'amélioration de la fiabilité et de la sincérité des comptes liés à la nouvelle instruction M57, bien sûr, qui est applicable au 1er janvier 2024, ce qui permettra aussi de compléter l'information qui est donnée aux citoyens sur l'utilisation des deniers publics. C'est dans ce cadre qu'est donc apparue la nécessité de fixer une redevance d'occupation pour les installations municipales qui n'en avaient pas. À l'heure actuelle, il y a des installations qui disposent d'un tarif.
Donc il y a les installations sportives. Nous avons une délibération qui date d'avril 2023 et qui fixe pour différents types de salles des prix à l'euro, des prix oui des euros donc au mètre carré par heure par exemple. Nous avons une deuxième délibération qui fixe des tarifs pour les salles municipales qui sont ouvertes à la location publique. La salle des fêtes, le clubhouse piscine, la maison des associations et la villa Chèvre-Loup. Ces tarifs, eux, sont en fonction de la période, la durée de location et du profil de l'utilisateur, en faisant bien une distinction pour les personnes physiques ou morales, chaînées courtoises ou pas, et les associations aussi, bien sûr. Enfin, il y a le théâtre André Malraux et le théâtre Nouvelle-France, dont les tarifs sont fixés par une délibération du 10 septembre 2020, et également donc, des tarifs qui sont en fonction de la durée de la location et du profil de l'utilisateur. Toujours pareil, distinction entre chaînées courtois, non chaînées courtois, personnes physiques ou morales. Et donc, il nous reste une multitude de salles, parce qu'effectivement, on en met beaucoup à disposition des associations qui, elles, n'ont pas de tarifs aujourd'hui. Donc, des salles qui, aujourd'hui, sont non sportives et non ouvertes à l'éducation du public. Je souhaite profiter et rappeler que la création de ces redevances d'occupation n'a pas pour but de faire peser sur les associations qui bénéficient aujourd'hui d'une mise à disposition à titre gracieux de charges supplémentaires, mais bien de les accompagner pour respecter la loi, de même que nous, collectivités, devons le faire. Donc nous avons cherché, et je remercie les services, alors que ce soit le sport, parce que même s'il y avait des tarifs, je remercie d'abord les services du sport, la culture, le patrimoine, le service financier, la direction juridique, en tout cas un nombre important de services sur ce travail colossal, parce qu'il fallait à la fois chercher trouver des tarifs qui soient simples, qui soient cohérents avec les tarifs existants, et essayer de ne pas monter une usine à gaz qui pouvait être quelque chose qui pouvait être facile ou tentant de faire. Et donc, vous avez dans la délibération une proposition de 5 typologies de tarifs qui correspondent donc à 5 typologies de salles. Vous avez les espaces extérieurs simples type jardin qui sont à l'euro, qui sont des euros par heure par mètre carré. Vous avez des salles de réunion ou des bureaux au sein d'un espace partagé non ouvert à la location au public. Et ensuite, des installations non sportives, donc non ouvertes à la location du public inférieur à 200 mètres carrés, entre 200 et 500 et plus de 500. L'objectif étant d'avoir de cranter, on va dire, de faire une échelle et de pas d'avoir de quelque chose de proportionnel à des surfaces qui vont de plus en plus, qui sont de plus en plus importantes. Et enfin, on propose l'application d'une décote qui s'appliquerait aux occupations exclusives intérieures, parce qu'il y a certaines associations qui occupent de façon exclusive ces salles. Et ces redevances créées seraient applicables donc à compter du 1er septembre 2023. Merci beaucoup, Madame Thémundès, pour cet exposé des motifs extrêmement clair. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Madame Alquier, puis Madame Bilger? Oui. Donc, alors, cette délibération est légitime puisqu'elle est prévue effectivement par les textes, puisqu'elle permet de valoriser l'aide que peut apporter la collectivité aux associations. C'est un souci de transparence publique, ce à quoi nous souscrivons bien sûr. Maintenant, si l'on regarde précisément les instructions auxquelles vous faites référence, notamment le règlement 2018-06 du 5 décembre 2018, alors, sauf erreur ou divergence d'interprétation ou autre réglementation nouvelle que nous ne coterions pas, les associations peuvent décider de comptabiliser ou non les contributions volontaires en nature, et notamment la mise à disposition des locaux par la commune. Tout comme les communes, d'ailleurs, ont le choix de valoriser ces aides. C'est ce qui est écrit dans les textes que j'ai relus. Donc, vous me direz s'il y a autre chose qui fait que ça les rend obligatoires, car ça n'est pas obligatoire, c'est recommandé. J'ai interrogé mes collègues élus dans différentes villes. Ils n'ont pas non plus la même lecture. Donc, c'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est obligatoire ? Même si c'est recommandé. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. La valorisation des subventions en nature côté collectivité locale, de même qu'on a les subventions pécuniaires qui sont de l'utilisation d'argent public. Côté subventions en nature, on a des locaux qui génèrent eux aussi des coûts. Et donc, valoriser l'occupation et donc la mise à disposition et de ce qui est fait pour les associations me semble relever d'une information aux citoyens. Donc, ça veut quelque part, ça, c'est le côté collectivité locale. Côté associatif, s'il n'y a pas obligation de le faire, pourtant, les associations peuvent, elles aussi, et dans leur compte,
vouloir le présenter, de même qu'elle valorise les heures de bénévoles, par exemple. Donc c'est une lecture de l'activité de l'association. Oui, voilà. Mais ça n'est pas obligatoire. Oui, oui. Oui. Bien. Après, voilà. On n'est pas la seule ville à le faire. Il y a des villes qui ont commencé cela depuis bien plus longtemps. Et il n'y a pas oui, de... Oui, mais c'est un choix des communes. Donc, oui, oui, voilà. c'est le choix que nous faisons. Je réfute un peu la présentation. C'est voilà. Vous êtes d'accord ouais. Voilà. Existait depuis 2000, on n'a pas dit que c'était obligatoire, on dit juste qu'on applique, on applique une loi. Après, sur le principe général, vous connaissez ma philosophie, il n'y a rien de gratuit en ce bas monde, et donc à un moment, valoriser la réalité de ce qu'on met. C'est pas bien, non, mais moi, je vous explique pourquoi on propose ça, puisque ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même vivement recommandé. À un moment, réexpliquer aux gens que rien n'est gratuit, que tout coûte, et qu'à un moment, la réalité de ces infrastructures que nous mettons gracieusement à disposition des associations, à un moment, elles sont entretenues. Et on dépense du vrai argent, des vrais impôts. Et donc, je pense que c'est important que l'ensemble des utilisateurs, on en fait partie d'ailleurs, hein, quand on est adhérent d'une asso et qu'on a une salle qui est mise à disposition. Certes, on est content de ne pas la payer, mais à un moment, elle coûte. Elle coûte à la collectivité. Et donc, je pense que c'est plutôt vertueux et pédagogique de rappeler et d'inviter d'ailleurs, effectivement, les associations à valoriser cette aide en nature. Elle n'a rien de scandaleuse. Et je pense qu'à un moment, c'est important parce qu'il y a des assos qu'on aide financièrement, il y a des associations qu'on aide là-dessus. Et je vous rappelle que de temps en temps, il y a des tensions entre les associations. Certaines se sentant stigmatisées parce que n'étant aidées que financièrement et pouvant donner l'impression qu'elles sont plus aidées que d'autres, alors qu'il y a des associations à qui on met gracieusement des locaux qui n'ont pas besoin d'aide en numéraire. Et voilà. Et moi, je comprends qu'il puisse y avoir un sentiment de distorsion de traitement. Et certains présidents nous l'ont dit, parfois vivement. Et donc, quelque part, à un moment de valoriser la mise à dispo des équipements sans les faire payer, ça permet de remettre d'équerre et de bien expliquer à l'ensemble du monde associatif quelle est la réalité des aides que la commune consent, soit en mise à disposition de locaux, soit en aide en numéraire quand c'est nécessaire. Je pense que Mme Alquet n'a pas fini, Mme Le Ménet, et puis Mme Bilger avant. Donc, c'est un sujet sensible pour les associations, vous vous en doutez. Parce qu'ils sont animés par des bénévoles dévoués, et donc c'est quand même une charge administrative supplémentaire. Ce qui nous pose souci, il faut savoir aussi que les montants de valorisation retenus peuvent aussi entraîner des contraintes, au-delà du principe, pour les associations par rapport au seuil de réglementation. Donc, on rappelle le seuil de 23 000 euros de subvention en numéraire. Bah, j'ai le texte du ministère, là. Hein. Donc voilà, on n'est peut-être pas tout à fait, on a sans doute une divergence de compréhension pour les conventions d'objectifs. Et ensuite, il y a le seuil de 153 000 euros pour l'obligation de faire contrôler les comptes par un commissaire aux comptes. Donc ça n'est pas juste une information, ça n'est pas anodin, peut avoir une conséquence importante sur le fonctionnement de l'association. Et d'ailleurs, il nous a été remonté qu'un certain nombre d'associations n'avaient pas eu de renouvellement de convention de la part de la mairie, malgré leur demande qui est restée sans réponse, si j'ai bien compris. Et donc, maintenant, nous comprenons pourquoi, voilà, n'est-ce pas ? Mais au-delà de ça, nous pressentons peut-être aussi, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur le maire, que cette valorisation aura sans doute un impact sur le traitement des dossiers de demande de subvention qui vont être présentés à partir du 1er décembre, et de façon obligatoirement dématérialisée, ce que peut-être les associations ne sont pas encore complètement conscientes. Et il faudra sans doute les accompagner sur ce sujet. Quand vous parlez du traitement des subventions, enfin, la modernisation pardon, de la relation entre les associations et les communes, ça ne veut pas dire, quand on parle de obligatoire, effectivement, on compte mettre en place une plateforme qui permettra de gérer des relations, en tout cas de gérer des documents, de faire les demandes de subventions. Cela ne veut pas dire qu'on abandonne les associations et qu'on accompagne. Bien sûr, on accompagnera les associations à qui ça pose problème. Mais ça, c'est l'objet d'un... Je vais laisser parler aussi mon collègue sur la convention en particulier. Alors, j'ai encore deux remarques. Sur la méthode, parce que la décision de valorisation de la mise à disposition nous a été présentée en commission, mais sans aucun chiffre à l'appui ni analyse de l'impact, justement, sur les associations concernées. Je remercie Mme Théménides de l'échange que nous avons eu mardi à ma demande pour obtenir quelques informations générales sur la méthode. Mais de fait, quand même, vous nous demandez de voter une délibération sans aucune vision globale de ce que ça veut dire, de ce que ça coûte pour chaque association, ou ce que ça va représenter en termes de coûts, ni impact chiffré, ni pour les associations, ni pour la ville d'ailleurs. Donc ça, c'est sur la méthode. Et sur le contenu,
Là, de même, on n'a vu aucun benchmark avec les villes environnantes. La seule référence qui nous a été indiquée, c'est celle de peut-être de Versailles, qui serait de 0,40 euros par heure par mètre carré pour une salle associative et 0,20 pour un clubhouse. Donc ça, c'est à vérifier parce que Versailles n'applique pas la valorisation aujourd'hui. Donc je ne sais pas quels sont vos référentiels. Et en premier abord, pour nous, un tarif affiché de 40 centimes et 60 centimes de l'heure par mètre carré est élevé par rapport à ce que nous pratiquons aujourd'hui, de ce qu'on voit dans vos chiffres, d'ailleurs, des salles qui sont prêtées aujourd'hui. Qui sont louées aujourd'hui ou prêtées aux associations comme la salle des fêtes, etc. Le référentiel n'est pas le même. On est plutôt entre 0,15 et 0,30. Et là, on est entre 0,40 et 0,60. Donc, voilà, on trouve que c'est sans doute un peu cher, mais on n'a pas les chiffres, on n'a pas l'entièreté du dossier, donc je n'en dirai pas plus là-dessus. Et donc, en clair, notre impression, c'est que ce dossier a quand même été traité de façon un petit peu précipitée et en tout cas sans transparence, puisqu'on n'a aucun chiffre. Et nous aurions aimé avoir un groupe de travail sur le sujet, car ça touche quand même tout le tissu associatif de la commune, et qui font le lien social et le vivre ensemble de la commune. Et je pense qu'il ne méritait pas d'être traité de cette façon. Excusez-moi. Je pense qu'on aurait pu faire un vrai travail collectif, commun, pour regarder ce que ça veut dire pour chacune des associations. C'était ça notre demande. Donc voilà un peu notre position. On est un petit peu choqués de la méthode. Voilà. Bon, alors deux mots. Pour répondre très simplement, ça n'a rien coûté en plus aux associations. Je pense qu'il faut être très clair et donc pas faire semblant de vouloir faire. Non, mais je le précise parce que ça n'avait rien coûté aux associations. Parce que puisque vous avez posé la question, je vous donne la réponse, rien. Ça va effectivement obliger certaines associations à nous faire soit des contrats d'objectifs, soit à prendre des commissaires aux comptes. Quand on a plus de 150 euros d'aide, je ne pense pas que ce soit scandaleux qu'à un moment un commissaire aux comptes... 153 000, oui. 153 000 euros, ce n'est pas scandaleux qu'un commissaire aux comptes vienne vérifier que les comptes sont bien tenus. Je rappelle que par le passé, certaines associations prestigieuses de la ville ont eu quelques soucis et que ça n'aurait pas été pâle que des commissaires aux comptes viennent pour éviter des soucis, donc je pense que c'est plutôt vertueux. Pour ce qui est de la convention d'objectifs, c'est pareil, à 23 000 euros, je pense que c'est pas mal que des associations qu'on aide en nature et qui aujourd'hui n'avaient pas cette obligation fassent cet effort. Ok, c'est pas inintéressant. Donc si les seuls dégâts collatéraux, c'est un contrôle pour... Je crois qu'il y a 9 associations qui sont éligibles au commissaire aux comptes et une petite dizaine en plus pour les contrats d'objectifs. Bon, ça me paraît plutôt utile que ces bureaux fassent l'effort une fois par an de nous dire quels sont leurs objectifs, parce qu'on leur donne soit de l'aide en nature, soit de l'aide en argent. Donc pour moi, ce sont les seuls, entre guillemets, dégâts collatéraux, je les trouve plutôt positifs. Et pour le reste, c'est complètement transparent. Donc on ne va pas jouer à se faire peur. Ça ne coûte rien non plus aux associations, parce que j'écoute un petit peu. Sur ce qui est du travail collaboratif, je pense que les équipes y ont passé... vous parlez de travail précipité, je pense que les équipes apprécieront. Elles y ont passé beaucoup de temps. Voilà, donc on n'est pas du tout dans la précipitation. Le sujet est suffisamment épineux pour qu'on ait pris le temps d'eux. Sur ce qui est du benchmark avec les autres villes, vu la capacité des collectivités à ouvrir leurs livres, etc., sur des sujets plus simples, je vous mets au défi d'aller faire du benchmark là-dessus. Voilà. Et malheureusement, je vous avoue qu'on n'a pas vraiment le temps de mobiliser, en plus du travail de préparation, nos équipes pour aller faire du benchmark sur ces sujets-là. Donc j'en assume l'entièreté, mais voilà, les ressources de la ville, à moins que vous ayez oublié de quoi est constituée l'administration, ne nous permettent pas, en plus du travail, d'aller faire du benchmark sur des sujets comme ça. Donc à un moment, on prend la décision politique de valoriser l'aide en nature. La loi nous le permet, je vais le dire comme ça, hein. C'est pas obligatoire, mais la loi nous le permet depuis 2000. Voilà, donc depuis 2000, on l'a pas fait, nous on le fait, et je pense que c'est bien, c'est vertueux, c'est pédagogique. Sur le barème, on peut en discuter, voilà, mais comme les associations, je le redis, ne vont rien payer, finalement, c'est pas très grave. Certaines, effectivement, auraient peut-être échappé à l'obligation de nous envoyer un dossier d'objectif. Mon Dieu, ben elles vont faire cet effort, voilà, et je pense que ce sera utile et vertueux pour ces associations de le faire, voilà. Mais donc, on ne va pas dramatiser un sujet qui n'est pas dramatique, c'est un sujet de transparence de la vie publique, et donc moi je pense que c'est important de faire ce travail-là. Après, on ajustera les barèmes s'il s'avère qu'on les valorise un peu trop cher, c'est pas très compliqué, mais ce travail d'amorçage était long, compliqué, et donc je m'associe au remerciement de Mme Temidiès parce qu'on a embarqué, je pense, la moitié des équipes de la ville, que c'était compliqué, mais que ça nous paraît nécessaire et utile, et que, voilà, je pense que donnera peut-être envie à d'autres villes demain de se lancer dans ce sujet. Je passe sans attendre la parole à Mme Bilger et puis je la redonnerai à Mme Lemenné qui l'a demandé. Euh,
Oui, merci. En fait, j'interviens après toutes les interventions diverses, donc bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, je voudrais être sûre d'avoir bien compris quelque chose. Voilà, c'était ma question de démarrage. Quand vous dites qu'il n'y a aucun impact financier sur les entreprises, sur les, pardon, les associations, je voudrais être sûre de bien comprendre, en fait. Non, mais désolé, hein, c'est non, très... Non, mais aujourd'hui, vous prenez une association qui occupe, on va dire, une salle... Derrière, ça se valorise en euros du mètre carré et c'est un avantage en nature qui est présenté dans les comptes. Ça ne veut pas dire qu'elle doit payer ce montant-là. Oui, d'accord. C'est tout. Bon bah voilà, ok, merci. Non, non, mais pour voilà. Ça, c'est pour ça que je, voilà, je préfère. Non, non, mais voilà, c'est bien, c'est bien que vous posiez la question parce que la question est claire et la réponse est claire. Ben voilà, voilà. Merci. Voilà, et l'école de musique, puisque ma voisine très à droite me l'indique, fonctionne comme ça depuis très longtemps et ça fonctionne bien. Je redis pour l'instant, Le sujet est plutôt un sujet de distorsion de traitement et je le redis, un certain nombre d'assos, je ne les nomme pas, qui bénéficient d'aides importantes en numéraire et qui parfois nous payent des loyers, etc., et qui trouvent que c'est injuste. Voilà. Donc on rétablit une forme de vérité des prix et qui nous permettra de comparer la réalité de ce qu'on donne comme aide à nos associations. Madame Le Ménet, à moins que les échanges complémentaires vous ayez complètement éclairé, auquel cas vous pouvez renoncer à votre parole. Merci, monsieur le maire. Essayer. Non, j'ai quand même trois points à voir avec vous. C'est-à-dire que dans le rapport de présentation, vous mettez quand même obligation pour les associations de comptabiliser dans leur compte annuel les contributions volontaires en nature perçues, dont la mise à disposition gratuite de locaux par la commune fait partie. Or, cette phrase, juridiquement, me semble pas tout à fait... véridique, puisque Madame Ténémides vient de confirmer qu'effectivement, ça n'est pas une obligation. Donc, on ne peut pas tous ensemble voter pour une obligation qui n'est pas une obligation légale. Écoutez, pour l'instant, on a une juriste, la délib, elle est passée au tamis de... Voilà, donc je vous la propose comme ça, vous avez le droit de ne pas la voter. Je redemanderai au service juridique, puisque même si vous avez tous des brillantes études de droit, c'est pas mon cas. Voilà, mais moi, j'ai une directrice juridique, et donc je reviendrai vers elle si jamais... En tant que juriste, tant que vous ne m'avez pas démontré qu'il y avait une obligation, vous êtes libre de votre vote. Il n'y a pas d'obligation, voilà. Je ne peux pas voter pour ce texte. Très bien, je l'entends, ok. Deuxièmement, vous semblez dire, pour les tarifs, si c'est trop valorisé, on pourra les dévaloriser. Enfin bon, on vote quand même pour une délibération et c'est important d'avoir une valorisation exacte. Donc, alors, vous je reviens pas là-dessus. Dire, je dévalorise. Non, pas, non, je reviens là-dessus. Là, c'est l'appréciation de votre voisine de gauche qui estime, elle a le droit, que c'est trop cher, etc. Il n'y a pas de barème officiel et donc à un moment, on fixe les prix. Voilà, mais là, il n'y a rien de... Et si demain, nous décidons collectivement de baisser les prix, il n'y a rien de scandaleux, c'est l'avis du Conseil. Non, je sais bien. Voilà. Mais aujourd'hui, mais là... cette valorisation nous semble un tout petit peu élevée. Vous dites vous-même, oui, on peut revenir dessus. Mais oui, tout ça est vrai. Vous avez le droit de la trouver élevée et on a le droit de revenir derrière. Il n'y a rien de scandaleux, c'est plutôt même d'ailleurs rassurant. Normalement, quand on travaille un texte et une revalorisation... Mais là, ce n'est pas une revalorisation, c'est une valorisation. Une valorisation... On essaye d'ajuster au prix actuel. Oui, mais nous, on la trouve plutôt juste. Ah. Bah, c'est autre chose. Voilà. Et troisième question, cette double valorisation, est-ce que ça aura une incidence sur le montant des subventions que vous verserez dorénavant aux associations? Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot transparent, Madame Le Ménet? On vient de répondre à Madame Bilger. Aujourd'hui, il y a des associations qui bénéficient de la mise à disposition de l'opposition. Elles vont juste devoir le valoriser. Ça ne changera rien au reste. On examinera toujours avec attention les demandes de subventions en numéraire. Oui, non, mais est-ce que ça veut dire quelqu'un qui aurait, par exemple, non, en nature... Non. Comment il faut vous le dire? On ne change rien, Madame Le Ménet. Est-ce que vous... On ne change rien au processus, ça change rien. Voilà. De demande de subvention. On fera la commission comme on fait tous les ans. Au montant de la subvention. Je n'ai pas dit au montant. Tous les ans. Non. Le montant, chaque année, il est examiné. Exactement. Il n'est pas pérenne. Non, mais je sais bien. Voilà. Mais bon... Le processus d'attribution des subventions, il est... Non, mais moi, je m'adresse simplement aux subventions. Je retrace un petit peu la peur des associations. Enfin, si... Monsieur Soleil, si vous voulez bien arrêter de me harceler, ça serait bien. Il n'a rien dit pour l'instant, il a juste... Votre harcèlement sexiste est tout à fait déplacé. Enfin, Madame Le Ménet, je vous confirme que le processus d'attribution des subventions est le même que l'année dernière, que l'année d'avant. Est-ce que vous tiendrez compte d'une valorisation donc supérieure
pour des associations qui auraient, puisque vous allez de facto les additionner. Écoutez, je vous invite à venir aux commissions de d'attribution des subventions. Monsieur, elles ont lieu en mars. Monsieur Voiseux souhaite prendre la parole. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Monsieur Voiseux va y répondre. Et à la peur des associations. Voilà la crainte des associations, donc je le relaie. Madame Le Ménet, je ne vois pas où est la peur des associations. D'abord, elles ne se sont pas manifestées auprès de nous pour nous redire leur peur. Et je crois que l'échange que nous avons est de nature à les rassurer. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, et sauf à vouloir faire peur aux associations. Sauf si vous me confirmez que vous n'allez pas diminuer leurs subventions. Non, pas du tout, madame Le Ménet. Je redis que comme chaque année, on va examiner attentivement les subventions numéraires, que rien n'est acquis, rien n'est acquis. Le budget 2024 n'est pas voté. Et si demain, nous décidons collectivement de diminuer de moitié toutes les subventions, on le décidera ensemble. Donc, comme chaque année, madame Le Ménet, comme chaque année, on examinera avec sérieux et rigueur les subventions. Et il n'y a rien d'automatique. Oui. Voilà, non, mais comment vous pouvez dire aujourd'hui, si on décide de baisser de moitié prix des... Je réponds à vos remarques qui m'étonnent toujours. Comment vous pouvez formuler cette phrase, monsieur? Mais parce qu'on peut le formuler. Un budget, ça se vote. Il y a un tissu social, c'est important de maintenir. Oui, mais vous venez de formuler cette phrase. Monsieur Soleil, oui. Arrêtez de me harceler. Oui, monsieur Soleil, petite âme, madame Le Ménet, monsieur Soleil ne vous harcèle pas, il ne dit rien. Donc arrêtez d'accuser, en l'occurrence, monsieur Soleil, le harcèlement. Et puis, madame Le Ménet, soyons clairs. Revenons à l'objet de la délibération et pas à vos hypothèses, etc. Je vous rappelle juste le principe de fonctionnement de l'attribution des demandes de subventions. C'est le Conseil qui souverainement décidera du niveau des subventions de 2024. Voilà. Monsieur Voiseux souhaite vous répondre. Je voulais juste vous apporter une information. L'année dernière, sur les subventions qu'on a votées en avril, en mars, sur les sports, vous aviez déjà la valorisation des salles. Et ce n'est pas pour ça qu'on a changé les subventions. Et ce n'est pas rentré dans un critère. Et si... C'était dedans, vous pouvez demander à Mme Melquet. Il y avait tous les tarifs des valorisations des salles déjà au niveau des sports. Mais la question est légitime. On vous a répondu, ça ne rentre pas dedans. Ce qui n'est pas légitime, c'est de polémiquer sur le sujet de manière artificielle. Votre réponse est plus claire que celle de M. le maire, merci. Écoutez, prenez ça comme un compliment, M. Voiseux, c'est assez rare de la part de Mme Le Ménet. Normalement, c'est une intervention par groupe, donc sauf à ce qu'il y ait vraiment un sujet qui n'est pas abordé, ça fait un petit bout de temps qu'on est sur cette délibération. Et je rappelle que la règle, c'est une intervention par groupe, on est assez open, mais à moins que vous ayez vraiment un sujet très important, Mme Félu, mais normalement, il y a un intervenant par groupe et c'est lui qui fait la synthèse. Je ne suis pas ras sur les interventions, mais Mme Malquier s'est longuement exprimée, Mme Le Ménet s'est longuement exprimée. Donc je rappelle, hein, je ne suis pas casse-pied sur le règlement intérieur, mais si on peut jouer le jeu. Donc préparez vos conseils avant et qu'il y en ait un qui se porte porte-voix de tout le groupe, c'est pas mal. C'est un dossier important, monsieur. Oui, c'est un dossier important, mais il y a des règles, madame. Et je ne crois pas qu'on vous empêche de parler, mais voilà, jouez le jeu aussi un petit peu. Ça prendra 2 minutes. Oui. Allez-y. Je vous remercie, monsieur le maire. Je voulais simplement dire que, comme tous les changements, ça peut induire des inquiétudes parmi les associations, en général, je parle. Profiter et c'est normal. Et j'espère qu'elles seront accompagnées, surtout pour les subventions simplement numériques, puisque certains ont des difficultés, je pense, à s'y mettre, même si il faut s'adapter. Donc remercier les associations et surtout essayer de les accompagner pour qu'il y en ait encore, hein, parce que je pense que le lien social est très important, on l'a bien observé pendant le temps du confinement. Et de ce fait, j'espère bien qu'on les accompagnera. Et surtout, ne pas décourager les bénévoles parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, même dans les écoles, les kermesses, etc. Voilà. Donc c'était un petit remerciement aux bénévoles. Merci tout pour simplement. On va sortir là, madame Malquier, parce que juste, c'est bon, je pense que voilà, on a fait largement le tour de la question. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, je pense que vous êtes largement exprimé, donc on va compter les votes. Enfin, voilà. Donc, alors, des votes contre. 1, 2, 3 ou 4, monsieur Pemery, je vous ai vu le nom. Donc, 3 votes contre. Alors, je sais pas, 3 votes, 4 avec monsieur Châtelut. Des abstentions, 3. Et pour le reste, à la grande majorité, je vous remercie. Alors. Délibération suivante, c'est M. Audic de Kernen qui prend la parole toujours sur le sujet associatif avec la présentation de la convention de partenariat avec les associations de la commune. Tanguy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Donc, cette délibération a pour but de donner la commune le soutien à la vie associative locale
par deux moyens. Premier moyen, la mise en place de dispositions d'installations municipales à titre gracieux et en deçà des tarifs en vigueur par rapport aux subventions en nature. Deuxièmement, l'attribution éventuelle d'une subvention de fonctionnement pour assurer l'équilibre budgétaire des associations. Ce soutien est à l'heure actuelle traduit juridiquement par deux types de conventions. Deux types. Premier type, les conventions d'occupation permettant d'encadrer la mise à disposition des installations municipales. Et le deuxième type, les conventions d'objectifs permettant de fixer les objectifs de l'association bénéficiant d'une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros. Sachant que les objectifs seront vus entre nous et chaque association. Pour rappel, la signature d'une convention d'objectifs est obligatoire lorsqu'une association bénéficie d'une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros. Article 10 de la loi. Suite à ça, cette convention permet aussi de fixer, pour une ou plusieurs années, les engagements respectifs de l'association signataire de la commune. L'association s'engagera à participer à la vie locale par la mise en œuvre de son objet social et l'administration s'engage à soutenir financièrement ce service par l'attribution d'une subvention en nature ou d'une subvention en numéraire que nous voterons au mois de mars l'année prochaine. Aujourd'hui, seules les associations bénéficiant d'une subvention numéraire annuelle supérieure à 23 000 euros ont signé une convention d'objectifs avec la commune. Voilà. Lié à ça, un contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Et vous voyez dans la libération aussi, nous avons mis la convention de partenariat que nous pourrions signer de 2023 à 2026. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Odic de Kernen. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce projet de convention de partenariat ? Madame Malquier. Bon, ben là, il s'agit de faire, un toilettage effectivement de la convention, d'intégrer tout dedans, et y compris le contrat républicain. Donc, ça paraît de bonne gestion de fixer tous ces objectifs dans la même convention, quelle que soit la façon dont on veut valoriser les locaux ensuite. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Y a-t-il des votes contre ? Alors, un vote contre, des abstentions ? À la très 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 grande majorité. Merci beaucoup. Délibération suivante, c'est Madame Siadou qui présente une délibération concernant le remboursement exceptionnel du forfait imaginaire scolaire d'un élève de CM2 du secteur de l'école Langevin. Madame Siadou. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à tous. En avril dernier, donc, je vous avais proposé une délibération concernant les aménagements, des dispositions particulières relatives à l'accueil temporaire des enfants de l'école Langevin sur les autres sites pendant la période des travaux. Et donc, on avait voté le fait qu'on rembourserait le forfait imaginaire junior de 24 euros aux enfants, aux familles qui le demanderaient pour leurs enfants. Et il se trouve que sur l'ensemble de la commune, il y a un seul enfant qui a été maintenu pour des raisons diverses, un enfant qui était notamment parti à l'étranger, qui a été maintenu dans son niveau et donc qui aura eu 11 ans au 31 décembre 2023. Il ne peut donc pas bénéficier du forfait imaginaire de 24 euros. Et donc, à ce titre, on propose donc par cette délibération de rembourser à titre exceptionnel le forfait imaginaire de ce garçon de 360, qui est de 365 euros. Donc, pour information, à ce jour, il y a 44 forfaits imaginaires qui ont été remboursés, qui ont fait l'objet de demandes de remboursement au 18 octobre. Merci. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Madame Siadou, conservez le micro pour nous parler de l'adhésion de la commune à l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation et des villes et des collectivités territoriales, l'ANDEV.
donc l'ANDEV, est une association de professionnels de l'éducation. Donc historiquement, elle était ouverte aux responsables territoriaux qui intervenaient directement dans le périmètre des écoles du premier degré. Et voilà, au fil des années, elle s'est élargie à tous les champs éducatifs, donc notamment premier, deuxième degré, péri, extrascolaire, jeunesse, petite enfance. Donc du fait de la mutation de tous ces métiers dont on parle de façon assez récurrente et notamment dans notre projet, hein, puisque comme vous le savez, il y a 10 jours, on a eu notre première commission sur du pôle éducation. Voilà, cette association ANDEV permet notamment de répondre aux besoins en fait de la future direction de l'éducation dans cette dynamique de recherche, de réseau. Donc c'est une association qui permet notamment voilà, de faire vraiment beaucoup de réseaux et d'accompagner les professionnels dans leur mission. Aujourd'hui, je vous propose donc d'adhérer à cette association que notre directeur donc, de la future direction de l'éducation en soit donc la représente et donc à ce titre de prendre en charge les frais d'adhésion qui sont de 45 euros. Bon cœur. Des souhaits d'intervention, des votes contre, abstention à l'unanimité. Merci pour notre directeur. Nous allons passer sur une délibération très classique, celle concernant la dérogation au repos dominical des commerces de détail pour l'année 2024. Monsieur Jarry, je vous avais la parole. Donc je vous propose, c'est bon, ok. Donc cette délibération concerne donc les fameux 12 dimanches du maire. Donc c'est un calendrier annuel. Donc, ce calendrier donc, permet à ce que tous les magasins soient ouverts donc, 12 dimanches par an, principalement donc, les magasins alimentaires qui, eux, ne sont pas ouverts durant toute l'année. En effet, c'est vrai que notre centre commercial maintenant donc, est ouvert donc, de janvier à décembre donc, tous les dimanches, sauf la partie alimentaire qui, elle, se termine à 13 heures. Donc, hormis Auchan, donc, il y a des caisses automatiques et qui peuvent ouvrir donc, après 13 heures. Sinon, tous les autres magasins alimentaires, comme Lindt et autres, ne sont pas ouverts. Par contre, donc, grâce à ces 12 dimanches, donc, ils seront ouverts jusqu'à 19h tous les 12 dimanches. Voilà. Merci, Monsieur Jarige. Sans réouvrir le passionnant débat sur les dimanches, mais Madame Le Ménet, je vous sens frétiller. Madame Bilger dit ah non, mais je ne voudrais pas donner l'impression de museler l'opposition, mais là, pour le coup, même les nouveaux conseillers municipaux, je pense, vous ont déjà entendu, donc vous n'êtes pas obligé de faire le show. Parce que de toute façon, ce sera ouvert le dimanche. Mais allez-y quand même. Non ? C'est bon ? Très bien. Le conseil et Dieu vous remercie. Ah. Avec Monsieur Soleil. Non, j'ai rien dit. C'était une blague. It was a joke. Y a-t-il des votes ? Oui, ah si, Madame Bilger. Ah, Madame Bilger, non, c'est le moment. Faites-nous plaisir. Comme on parle de finisse. On sait qu'il n'y a que des femmes vendeuses, bien sûr. Ah, pas complètement fou. Ah, monsieur Jarige, vous inscrivez en faux ? C'est joke aussi, joke. Non, mais c'était une blague. Ah, ok. Allez, tout le monde se calme, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Madame Le Ménet et elle-même, y a-t-il des abstentions ? À la très grande majorité, rendez-vous l'année prochaine pour la session 2025, des journées du maire. Les dimanches du maire, oui. Dernière délibération de l'ordre du jour régulier. Elle concerne l'élection de membres issus du conseil municipal au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, puisque pour des raisons professionnelles, mon excellente voisine de droite et néanmoins première adjointe, Violaine Charpentier, a présenté sa démission par un courrier daté du 28 septembre 2023, avec date des faits à hier. Ou demain, non demain, parce que c'était hier. Et donc, il vous est proposé donc de redésigner les membres élus du conseil d'administration du CCAS, sachant qu'il y a des personnalités qualifiées, celles-là sont mobiles. Donc, sauf à ce que vous ayez prévu, mais comme je n'ai pas vu de lettre de démission de Mme Fauvel, j'ai traduit le fait qu'elle comptait rester à sa place. Donc, on va voter avec des petits bulletins, puisque l'administration inflexible nous impose cette règle. Vous avez donc un petit bulletin pré-rempli,
Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça vous épargnera de l'écriture avec comme candidat proposé donc Madame Testu, Madame Siadou qui remplacerait donc pour le groupe majoritaire Madame Charpentier, Madame Forget, Madame l'oncle Duda et Madame Fauvel. Les esprits mal intentionnés pourraient considérer que les hommes ne s'intéressent pas au social. Voilà, je laisse à chacune et chacun l'appréciation de cette liste unique et très féminine. Sans intervention de votre part, je déclenche les opérations de vote. Donc, Monsieur Giddings, qui remplace, pas avantageusement, il remplace comme il peut, Madame Lebnaoui, se promène avec l'urne. Oui, je ne sais pas. Attends, je te la donne. Oui. Donc, patience. Madame Charpentier reprend le micro. Richard Delapierre. À voter. Violaine Charpentier, à voter. Benoît Ribert, c'est toi. Alors, c'est ton pour. Est-ce que tous ceux qui ont des procurations ont deux petits bulletins de vote? Véronique Siadou. Et Christophe Konsdorf, Martine Bélier, Jean-Louis Jarige, Aline Temenides, Philippe Collins, alors Marie-Laure Majou, c'est Monsieur Prado qui est derrière. Anne Testu. Jérôme Legrel, Anne Testu. Alors Anne Testu, bah attends, non. Jérôme Legrel, Gilles Bertin, Claude Joriot, voilà, Madame Kélissé, Madame Temenides, Louis-Marie Soleil, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, Jeannine Bataille, Patrick Berthomé, Jean-Michel Vanger, Tanguy Odig de Kernen, Géraldine Arenschneider, alors Valérie Jeanne-Cassé, donc Camille Ribert qui est là-bas. Agathe a donné pouvoir à... c'est par ici. Madame Bélier. Belle tentative. Allez. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Marc Sévely. Alors, Lucie l'oncle de la C, Madame Parmentier. Marie-Cécile Godot, c'est Madame Testu, au premier rang. Hop. C'est bon, Sarah, vous faites votre sport de... Voilà. Frédéric Rospigny-Clerici. Jean-François Pommery. Maurice Toledano. Nicolas Alquier. Karine Lemenet. Fabrice Tabary, Brigitte Fauvel, Madame Alquier pour Guillaume de Châtelet, c'est bon, Christelle Fayu, Dorothée Bilger et Caroline Nocringer. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. On va laisser... Monsieur Giddings, est-ce qu'il faut des assesseurs, monsieur le directeur général des services, ou est-ce qu'on peut laisser monsieur Giddings Non, il faut des assesseurs. Alors, c'est qui le petit jeune ou la petite jeune? Parce qu'on... Félicitations, il s'autodénonce tout seul, félicitations. Marc, oui, c'est... voilà. Et c'est plus dur, mais le Benjamin, ça, je vous sens bien, non, c'est pas vous? Oui, c'est vous? Ah, il y en a, c'est qui le seigneur de la bande? Allez, au travail, monsieur Pommery. Oh, taf. Non, si, c'est Gilles? Non, c'est monsieur Jean-François, non.
Très bien. Donc pendant que le duo de choc compte les bulletins, on va les laisser compter parce que normalement ça devrait aller assez vite. Donc une fois n'est pas coutume, mais c'est assez rare pour être souligné, il n'y a pas de questions diverses. Et donc on va remplacer les questions diverses par une présentation du bilan au bout d'un an du rooftop si vous, on attend. Alors, les décisions viendront après la présentation du rooftop, suivant le respect de l'ordre du jour, Monsieur Soleil. Nous nous étions engagés il y a un an, après un débat animé sur l'opportunité de mettre des moyens humains sur cette structure. Madame Sauvel, vous en souvenez. Je vous avais dit qu'on reviendrait vers vous au bout d'un an. Et donc, on revient vers vous au bout d'un an pour un bilan détaillé qualitatif. Donc, on va attendre que nos collègues aient terminé de dépouiller pour profiter de la présentation que Madame Charpentier va faire. D'un an de rooftop, mais je crois que c'est important qu'on puisse partager ensemble sur le bilan de la création de cette structure. Et donc à l'issue, effectivement, pour celles et ceux qui auraient des souhaits de précision sur les décisions, je me tiens à votre disposition. Alors, pendant que nos collègues continuent à dépouiller, j'en profite pour vous rappeler la date du prochain conseil municipal qui aura lieu le 14 décembre. Et pour faire un peu de pub sur les événements des week-ends qui viennent, donc auxquels je vous invite évidemment à participer. Zou, alors. Nous avons notamment samedi, donc après-demain, le vernissage de la Biennale de l'UPAC, auquel vous êtes tous bien évidemment invités à partir de midi. Vous avez la vente du Club Allegretto qui dure, je crois, toute la journée, mais plutôt l'après-midi, de ce que m'ont dit les grands spécialistes. Vous avez le week-end d'après l'inauguration du compostage de Paris 2 avec Versailles Grand Parc. Je sais, c'est un bel événement, Madame Bigère. Je vérifierai que vous êtes présente. Nous avons le dimanche 26 après-midi un thé dansant. Et pour les amateurs de hand, le match, le sommet de l'année, puisque le chaînet numéro 2, invaincu, et joue contre le numéro 1. Et il n'y aura qu'une place pour la montée. Donc les frelons verts vous attendent frénétiquement dans les tribunes. Dimanche 26 à 16h, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. C'est fait. Le samedi 2 décembre, pour ceux qui n'ont jamais goûté aux joies des matchs d'improvisation, la Litchi organise compète. Et vraiment, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup de voir Monsieur Lafourcade dans un rôle atypique. Non, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Donc faites-le au moins une fois. Dans votre mandature. Et je m'arrêterai là. Le dimanche 10 décembre, il y a le Noël des enfants. Et comme c'est vachement bien organisé, en même temps, il y a le bingo. Oui, c'est en même temps. Voilà. Donc le monde associatif composé de bénévoles sympathiques. Voilà. Donc vous partagerez votre temps, mais il y a le bingo et le Noël des enfants de la commune le dimanche 10 décembre. Tout ça est à 15h. Normalement, je vous rappelle que le cabinet, M. Giddings Pont-Palmet, vous envoie tous les mois. Voilà, tout est dedans, donc je fais la pub, mais normalement, comme vous êtes doté d'un sens de l'ordre et de la mémoire élevée, tout ça est normalement connu des services. Voilà. J'ai fait le max, Harold, plus c'était pas possible. Est-ce que le vote est... Ça fait plaisir. Carton plein. Merci infiniment aux deux assesseurs, Junior et Junior, d'avoir assuré. Et félicitations à Madame Siadou, qui intègre le conseil d'administration du CCAS. Je passe donc sans attendre le micro à Madame Charpentier pour le bilan d'un an de rooftop. Merci, Monsieur le maire. Donc, le rooftop, c'est quasiment un an. Et donc, quelques chiffres rapidement. 1900 personnes, en fait, ont été reçues individuellement et personnellement. Donc, ça, c'est quand même, on peut le dire, un succès. Ramener 10 personnes sur 200 jours ouvrés à raison d'une demi-journée, ça fait quand même en moyenne 10 personnes accueillies chaque après-midi. Voilà, et c'est. Redonner très concrètement ce que ça donne en termes d'activité. Voilà, et c'est 2750 personnes qui ont été reçues au total parce que parfois le rooftop se déplace et va donc voir plus de personnes que celles qui viennent directement. Alors, évidemment, il y a plus de femmes que d'hommes, il y a surtout des lycéens, c'est logique. Bah, parce que voilà, ils sont. Je pense que. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Et voilà. C'est surtout des 18-20 ans pour l'instant, voilà. Donc, mais vous aurez le document, on vous l'enverra.
Il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés. Le succès pour un atelier au goût du jour, c'est un atelier français et langues étrangères. Donc, il y avait 70 jeunes qui sont venus. Un atelier scolarité et pour affiner leur projet d'études. Et là, il y avait 50 jeunes qui sont venus. La journée de la femme avec 60 personnes. Un déjeuner bon plan. Voilà, plein d'idées et 40 personnes sont venues. Des bilans d'un projet d'action de bénévolat, ça a permis à 23 jeunes de s'engager auprès de la Croix-Rouge. Et donc, voilà, il y a évidemment un gros partenariat avec... Je fais ça dans l'ordre. Oui, l'espace emploi. Mais je vais d'abord dire qu'il y a toujours le point écoute, avec 50 personnes qui profitent du point écoute. Et c'est un psychologue qui vient deux lundis après-midi par mois. Et en fait, c'est 20 séances quand il s'engage, et ça marche très bien. L'opération sac à dos, c'est, ça permet aux jeunes qui le demandent d'avoir un sac à dos et plein de trucs dedans pour aller barouder. Et les partenaires, donc c'est essentiellement le partenariat avec l'espace emploi entreprise, et il y a 28 jeunes qui sont accompagnés, voilà. Et il y a les missions locales qui viennent et qui accompagnent 60 jeunes pour l'instant. Et puis bien sûr, au mois de juillet, ce qui était important, c'est que le rooftop a eu la labellisation information jeunesse, voilà. Je voulais évidemment remercier l'équipe, donc c'est Elsa Bégard, la directrice, et nous avons aussi Monisha et Safine qui est le service civique qui est là. Voilà, donc il y a donc deux personnes et un service civique. Voilà, si vous avez des questions, alors évidemment, surtout, enfin je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au rooftop, mais vous êtes les bienvenus pour aller voir sur place. Voilà. Lors de l'inauguration. Oui. Bien, merci Violaine. Je pense que c'était important de partager les chiffres. Vous voyez la très large palette des publics qui sont adressés. Alors tout peut ne pas vous paraître intéressant, mais globalement, vous voyez sur les ateliers, ça a quand même à chaque fois rencontré son public. La fréquentation du site justifie son ouverture. Je rappelle que cette création était issue de l'analyse du DIAG des besoins sur le territoire. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sous l'ouverture de cette structure et on fait du deux en un puisqu'on accueille aussi un service civique, ce type de structure s'y prête. Donc je pense, si vous en êtes d'accord, qu'on va retenter une deuxième année, pas en mode expérimentation mais un peu en mode pérennisation. Après je vais bien garder en tête les réserves que les uns et les autres, y compris d'ailleurs dans la majorité, pouvaient avoir sur la création de cette structure, mais je pense qu'à la fois la qualité du lieu et la créativité dont a fait preuve l'ensemble de l'équipe pour tester et accueillir les jeunes de 18 à, je sais pas quelle est la limite d'âge, 25, montre que le contrat est rempli, et pour en juger par les retours très positifs, voire parfois un peu jaloux, d'autres villes qui n'ont pas ces structures-là, on peut penser que on a tapé dans le mille, et puis tout le mal que je me souhaite, c'est qu'on soit copié. Et c'est en cours. Donc, voilà. Donc merci à Violaine et à l'ensemble du service jeunesse et Julien Gélin, évidemment, qui a porté, et Jamel, parce que même s'il a quitté la collectivité, avant de partir, Jamel était venu me présenter effectivement l'embryon de ce projet. Donc on est capable de garder des idées, même quand les porteurs d'idées ne sont plus là. Y a-t-il des questions sur les décisions qui sont jointes au rapport? Si pas de questions, je vais vous souhaiter une excellente soirée aussi. Madame Alquier, attendez, ne rangez pas vos cartables. Madame Alquier. Juste, monsieur le maire, juste pour nous assurer que vous allez nous transmettre le beau dossier présenté par monsieur Rospini. Évidemment. Le dossier de madame Charpentier, donc ça vous sera envoyé dès demain par mail, monsieur Giddings. Vous y verriez personnellement. Madame Lennemamu, vérifiez que M. Giddings le fera, parce que la confiance qu'on peut avoir en M. Giddings est quand même très limitée. Merci à tous et à tous. Très très bonne soirée et à bientôt, donc au 14 décembre.